Bonjour, je suis Céline Dupuis. Je vais lire le personnage de Rafika dans le texte d'Arnaud Bertina pour Histoire en série. Donc Rafika est une institutrice tunisienne. Elle trouve un travail d'appoint et devient femme de ménage dans un palace qui est situé à quelques kilomètres de Tunis. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle imaginait. Là-bas, ni luxe, ni calme, ni volupté. En effet, dans ce palace, la clientèle est composée de femmes qui viennent passer 2 ou 3 semaines au vert après s'être fait refaire le nez, les lèvres, la poitrine ou les fesses. Et l'autre moitié de la clientèle est masculine. Ce sont des hommes grièvement blessés, le plus souvent amputés après avoir sauté sur des mines pendant la guerre civile en Libye. Évacués donc par le Croissant Rouge dans cet hôtel, ces hommes très diminués par la guerre côtoient donc ces femmes très augmentées par leur opération de chirurgie esthétique low cost.